là, juste derrière, vous avez un tout petit trou, il y a juste 2 mètres. Et une cavité avec une vue magnifique sur la Tyrolienne. Et ensuite, ça continue, il y a 300 mètres de dénivelé par différents rappels successifs. Et donc, vous descendez dans un canyon, il y a des arbres en fleurs et tout, c'est magnifique. Et ça continue jusqu'en bas, un pont, et puis le canoë, donc après, la spéléo. Là, les, juste les 2 mètres, le petit trou, c'est un avant-goût de la spéléo, en fait. Voilà. Vous l'avez vu ? Allez, allez. Non, plutôt sur la gauche, voilà, un groupe en arrière. Descends, allez, allez, allez. Ah, allez, deuxième tentative. Ok. Alors. Voilà, mais descends avec ta corde, hein. Non, fais gaffe, hein, ça glisse, hein. Ouais, prends la corde, là. Non, allez. C'est sec, là. Non, mais à la fin, là, c'est chaud. Ouais, ouais, prends la corde, toi, prends ça, moi. C'est du dos, carrément. Maintenant, pour se changer de la pluie, on va avoir une épreuve très mouillée, le canoë. Oh, alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un gros rocher, hein. Hein? Bah, moi non plus. Tu sais que je me suis vu partir là-dedans et gaucher au canoë. Mais moi j'étais saisi par le froid, j'ai préféré me barrer, quoi. Ouais. Dans ces cas-là, on a vu qu'on ne pouvait pas retourner le truc. Faire des ricochets dans l'eau et de leur dire qu'il faut aller à gauche. C'est assez passionnant, je fais pancarte, une pancarte danger à côté, et c'est quand même des émotions assez fortes au niveau du vécu. Souriez, vous êtes filmé. C'est un avantage dans ce genre de choses. C'est sympa. Et quand on est souple aussi, c'est... Et on est claustro, comment la tête la première ou... Là, il y a quelqu'un qui va t'accueillir. Non, mais et comment j'y vais? Les jambes en premier. Les jambes? Ouais. Ah, ça m'a salé. Tu glisses sur le cul. Ça va essayer de faire ton truc, hein. Mais ça sent vraiment une crade. Je veux pas salir, mais... Mon pantalon d'été. Moi, je veux pas me salir. Ouh, je vois une petite lumière. Bon, alors là, il paraît que là, il y a technique...
Et pourquoi, ça sert à quoi? Ça sert à ce que ton pantalon il remonte pas. Et comme ça t'es beau. Ah ouais, mais... Et comme ça. C'était vraiment super bien, parfois un peu impressionnant quand ça se resserre ou alors quand il y a une grosse flaque d'eau où il faut passer à côté, mais c'était vraiment génial comme truc, faut essayer. Alors de beaucoup d'émotions aujourd'hui et certainement aussi beaucoup de très belles images demain qu'on retrouve tout de suite après une petite pause de pub. Salade maïs tomaton. Alors déjà vous avez raté le début parce que vous avez pas vu comment on effrite le thon, c'est quand même pas mal. D'accord. Maintenant on va mélanger la salade puisque toutes les tomates sont au fond. Enfin on a un peu commencé mais tout est au fond et maintenant faut tourner. C'est parti. Elle fait pour moi avec les pieds, t'allais dire. Ouais vas-y Sgeg, avec les pieds. Sgeg, t'as douche de ta semaine aujourd'hui donc tu peux y aller avec les pieds. Ah, j'ai pris ma douche dans le maïs donc. Il faut qu'on se coordonne un peu mieux, quoi. On tourne dans le même sens. Eh, c'est pas pour dire ce gang, mais l'année dernière, t'étais déjà en train de pourrir les salades. Hein. Ouais, je sais. Do you have the time to listen to me whine? Après une nuit très agitée, les concurrents ont pris la route de la Tyrolienne qui se révélera un grand moment de la journée. Bienvenue à Saint-Machin sur Rivière Tranquille où se déroule l'épreuve de Tyrolienne. La Tyrolienne qui nous vient du
fameux pays de Tyroli, et qui a été inventé lorsque l'empereur de Tyroli a déclaré la guerre au pays de Tirola, d'où la guerre de Tyroli-Tirola, bien évidemment. Et les deux, le stratagème employé par l'empereur de Tyroli était de placer une corde entre le ravin qui séparait les deux pays pour pouvoir attaquer par surprise l'empereur de Tirola. Quelle belle histoire! Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? So I better hold on. La Tyrolienne, très sympathique, un beau paysage avec beaucoup de sensations au départ, formidable. Sur la carte, vous avez tout, bon, l'itinéraire en bleu et toutes les balises qui sont hors des villages. Vous avez en plus des balises qui sont dans les villages, donc qui sont sur cette face. Vous ne devez pas trouver toutes les balises, vous devez trouver que celles qui sont marquées en haut. D'accord. Et en bas pour hors des villages. Okay. Ça, c'est les villages. Et les ça, c'est les hors villages. Balises extérieures villages. Donc, ouais. Vous avez la balise 3, la 7, la 10, la 14, la 20, la 21 ouais. à trouver. Ouais. Et idem pour les balises dans les villages, vous avez la 1, 5, mon 2, route 3. Ok. Pas la route 3, pardon. Quelle histoire! C'est terrible, on cherche les balises, on les trouve pas, on cherche partout. On cherche partout, on cambrioule le village. C'est terrible. De vous demander ce qui se passe, des envahisseurs. Quelques autres micros, si des envahisseurs casqués qui débarquent. Bon, on va voir, on va trouver. Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with fire up. I've never been with anything less than a man so fine. I've been on fire with Sally Field, gone fast with a girl named Bo, but somehow they just don't end up as mine. It's a death-defying life I lead. I take my chances. I die for living in the movies and TV. But the hardest thing I ever
rather do is watch my leading ladies kiss some other guy while I'm better.